un atelier de restitution des études géophysiques de la ville de Kalaït et d'Amdjaras s'est déroulé le samedi dernier à N'Djamena. Des études menées pour localiser les ressources en eau dans ces deux localités, des zones où l'accès à l'eau est difficile. Moussa Mbodo Abdoulaye. Cette rencontre vise à restituer les études géophysiques menées par l'entreprise Mena Water en partenariat avec l'Université des Bonn en Allemagne au titre du projet d'adduction d'eau potable en faveur des villes de Kalaït et d'Amdjaras. C'est une initiative de la Direction générale des grands travaux et projets présidentiels. Le titre a permis à ces experts de localiser les ressources en eau, la qualité et la quantité de celles-ci dans les zones d'accès difficiles de ces deux localités. Selon le chef du département de la géologie de l'Université de Bonn, professeur Andreas Kemna, les indicateurs en eau sont au rouge dans la localité de Kalaït, contrairement à celle d'Amdjaras. Le ministre de l'eau et de l'assainissement Sidik Abdelkerim Haggar salue le résultat de ces études qui, selon lui, conduiront les plus hautes autorités du pays à poser les actes concrets. Avec la présentation du professeur, ça donne un peu d'espoir, parce que là, il nous a dit qu'il y a probabilité d'aller jusqu'à même 20 mètres cubes air sur certains forages, bien qu'il dit qu'il n'est pas garanti, ça c'est vrai, c'est de la géophysique, rien n'est garanti à 100%, mais il propose une vingtaine de points de forage qui pouvaient donner jusqu'à des débits de 20 mètres cubes air. Les Allemands étant connus pour leur, disons, sérieux, on peut quand même un peu espérer. La réalisation des ouvrages hydrauliques permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable dans la ville d'Amdjaras et celle de Kalaït. Il s'est tenu ce matin à N'Djamena une journée d'information sur la revue des dépenses publiques dans le secteur agricole. C'est la revue de l'année 2016. Les parties prenantes ont eu des échanges par rapport aux résultats de l'année 2016. Adef Ahmad Benrama. Il s'agit, à travers cette journée d'information, de faire la revue des dépenses publiques dans les secteurs agricoles au titre de l'année 2016. Cette revue, une des demandes des partenaires techniques et financiers, est une conditionnalité dans la mise en œuvre de l'aide budgétaire. Dans le contexte de démarrage de la mise en œuvre du PND 2017-2021, le résultat de la revue des dépenses publiques agricoles offre d'abord une citation de référence en matière de niveau d'investissement public dans le secteur agricole. Ensuite, la revue des dépenses publiques agricoles est un moyen de rendre compte à qui de droit, notamment l'Assemblée nationale, les communautés locales en premier lieu, des efforts du gouvernement et de ses partenaires sur la contribution de chacun. Le secrétaire général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles salue l'appui multiforme des partenaires techniques et financiers que sont la FAO et l'Union européenne à cette revue des dépenses publiques. L'Observatoire de l'éducation, de la formation et de l'emploi organise depuis ce matin au CEFOD un atelier de validation du bilan annuel d'information sur le marché du travail au Tchad. Il s'agit de présenter au public, au pouvoir public, les informations sur le marché de l'emploi. Ali Mohamed Bello. L'Observatoire de l'éducation, de la formation et de l'emploi dresse les bilans annuels d'information sur les marchés du travail au Tchad. Ceci dans l'optique de mettre à la disposition des décideurs et des utilisateurs des données fiables sur les marchés du travail durant l'année 2016. Il ressort en fait du rapport les demandes et les offres d'emploi enregistrées, les placements effectués, les stages de formation professionnelle, la création des entreprises et les indicateurs socio-économiques. L'objectif est d'amener les pouvoirs publics à assurer une adéquation de l'offre de formation en lien avec l'emploi. La disponibilité d'informations pertinentes et fiables sur le marché du travail est un atout indispensable dans le cadre de la lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté. Pour assurer une meilleure intégration de la variable emploi dans les politiques publiques, il est absolument nécessaire de disposer de statistiques régulières et fiables sur l'emploi et la formation professionnelle. À cet atelier, les participants vont examiner les documents en question soumis à leur appréciation.
Ils ont à ce sujet 2 jours pour sortir un document de qualité qui permettra aux autorités et aux chefs d'entreprise de mieux orienter leur action. L'Ordre national des professionnels comptables du Tchad a organisé ce matin une rencontre d'information et d'échange sur les conditions d'exercice de la profession d'expert comptable. C'est le directeur général des impôts, Diasra Ngartigal Sangar, qui a présidé la rencontre. Le point avec Amanisa Kazina. Cette rencontre d'information et d'échange porte essentiellement sur les textes régissant le métier de comptable dans l'espace CEMAC. Texte relatif au décret 397 du 15 juin 2016 fixant les conditions d'exercice de la profession comptable en République du Tchad. Le directeur général des impôts rappelle le rôle crucial que jouent les comptables dans la chaîne fiscale, car, poursuit-il, l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad doit être un partenaire privilégié de l'État dans la lutte contre l'incivisme fiscal. Il n'est pas non plus superflu de rappeler que le ministère des Finances tutelle de ceux qui exercent les professions libérales d'experts comptables en vertu donc des textes communautaires CEMAC, compte beaucoup sur le professionnalisme et surtout la probité des membres de cet ordre dans la lutte contre la déperdition des recettes fiscales. Dirigé par Jean-Paul Nedigui, l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad, créé en 2016, compte à nos jours une soixantaine de membres. La Fédération syndicale des retraités civils, militaires, veuves et orphelins du Tchad a tenu son 5e congrès ordinaire hier après-midi à la Bourse de Travail. Un nouveau bureau exécutif est mis sur pied. Mamad Souleymane. La Fédération syndicale des retraités civils, militaires, veuves et orphelins du Tchad tient son 5e congrès ordinaire. À l'issue de ses assises, le nouveau bureau exécutif composé de 65 membres a été mis sur pied. L'ancien secrétaire général exécutif, Jean-Baptiste Laokolé, a été reconduit à la tête de la Fédération syndicale. Le chemin que vous venez de tracer pour ma tâche n'est certes pas facile, mais tous ensemble, unis, nous serons forts et notre mission, l'équipe que vous venez de désigner, notre mission sera aisée. De la Caisse nationale des retraités du Tchad et des partenaires techniques et financiers, les retraités sollicitent des efforts pour l'amélioration de leurs conditions de vie, et ce, à travers les paiements réguliers de leurs pensions et de leur valorisation globale.